بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين أما بعد فنكمل في كتاب التيمم Nous continuons dans le chapitre du Tayammum, dans le sujet ou dans le livre Nour al du Cheikh Shurun Boulali. Il parle maintenant dans cette section de la recherche de l'eau. Quand est-ce qu'il faut rechercher ou demander de l'eau de l'eau a il est obligatoire de demander de l'eau dans une distance de 400 pas dans une distance de 400 pas Ils ont, ils ont divergé les, les Hanafites concernant l'équivalent de, de, de cette distance-là, ou plutôt à, à quoi correspond cette distance-là. Mais c'est euh, environ euh, le, le, le lancé, la, la distance de lancer d'une lance, le, la distance d'un jet de lance, la distance d'un jet de lance. Donc c'est équivalent un peu plus, plus ou moins à 170 mètres environ. Donc dès lors qu'il pense qu'il qu est dans cette distance, qu'il y a dans cette distance, il est en sécurité, alors il va chercher l'eau. Sinon, alors il n'est pas obligatoire. Il se peut par exemple qu'il soit dans une euh, surface où c'est suffisant, c'est découvert, c'est suffisant qu'il voit à distance est-ce qu'il y a de l'eau dans cette distance-là ou pas. Alors ça lui suffit de regarder. <titrage> Également, il est, euh, on va demander aux personnes qui sont avec nous. Si nous, on n'en a pas ni sur nous, ni dans nos affaires, on va demander à nos compagnons de voyage. Ou euh, à ceux qui sont dans les alentours. Mais, euh, c'est-à-dire ici, ce n'est pas dans un endroit où euh, l'eau va être euh, euh, très rare pour les gens. Ils ont un besoin extrême d'eau. Alors, euh, dans ce cas-là... On ne va pas leur demander. Donc, maintenant, si euh, cette eau-là, on ne lui la donne pas, mais on lui la vend, à un prix qui est équivalent, un prix équivalent euh, qui, qui qui est l'équivalent de cette eau là alors dans ce cas là on aura l'obligation de l'acheter si on a cet argent là avec nous qui est en plus de ce qu'on a besoin de dans notre dans nos besoins quotidiens dans la nafaka. Une fois que la personne a prié, ou plutôt une fois que le, la personne a fait le tayammum, combien de prières elle peut faire Quelle sorte de prières peut-elle faire Il dit qu'avec un seul tayammum, alors on peut prier autant de prières que l'on veut, qu'elles soient obligatoires, qu'elles soient surérogatoires. Et il est également valable de l'anticiper sur l'entrée du temps, contrairement à d'autres écoles qui ont considéré le tayammum comme une obligation ou plutôt comme une purification par nécessité. Dès lors, elle n'est pas une nécessité tant que le temps n'est pas rentré. Mais chez les Hanafites, le tayammum lève le hadath et tout comme le wudu, il peut être fait avant l'entrée du temps. tayammum al-jarih il, il parle maintenant de, euh, du tayammum lorsque la personne a des blessures sur son corps. Si la personne a des blessures sur son corps qui l'empêchent d'utiliser de l'eau. Fa qala law kana akthar al-badani aw nisfuhu jarihan tayammum. يعني tayammum lilwudu walghusl si maintenant la majeure partie de son corps est blessée, ou la moitié, qu'est-ce qu'il fait Alors il fait le tayammum, il, il se suffit du tayammum, Que cela soit pour le wudu ou pour le jarih. <mulassé> si maintenant le, la majeure partie du corps est saine, donc dans ce cas-là, on, on va faire le... On va laver les parties qui sont saines et on va frotter ou plutôt c'est-à-dire on va passer la main qui est mouillée sur doucement légèrement sur les parties qui sont blessées c'est-à-dire que cette elle al-jarih qu'elle kenrasli ralei parce que chez les hanafites on ne mélange pas on ne fait pas le taïamoum avec le wudu on ne fait pas le wudu une partie et le taïamoum avec pour compléter non mais ce qui est voulu ici, c'est que lui, il va laver les parties saines et il va essuyer, passer la main euh, humide sur les parties blessées. Euh, ce, cet essuyage-là, il est comme le lavage. Il est comme le lavage. Mais il ne va pas faire le wudu et après, pour les parties qu'il ne peut pas laver, il va faire le tayamum pour celle-là. Non. C'est-à-dire, il va faire le tayamum, il va prendre la pierre, laver, essuyer le visage et ainsi de suite. Non. Tout ce qui invalide le tayamum. Tout ce qui invalide le woodo invalide le tayamum également euh, l'annulation de l'excuse le fait que l'excuse qu'il avait qui, qui lui permettait de faire le tayamum tombe il a un ennemi entre lui et l'eau il ne peut pas faire le woudou en raison de cet ennemi il peut faire le tayamoum. maintenant qu'il n'y a plus l'ennemi l'excuse est tombée maintenant le tayamoum est annulé ou également la capacité de se servir d'utiliser l'eau qui est suffisante pour. Euh, la, la capacité ou de, la quantité d'eau qui est suffisante. Également, euh, cela annule son taïamoum. Il a trouvé de l'eau, d'une quantité qui est suffisante pour faire le, le minimum obligatoire du rouleau, par exemple. Alors, dans ce cas-là. Euh, son, son tayamoum est, est annulé. maintenant, si il a mentionné si quelqu'un il est amputé. il a le, euh, les mains amputées. Les, il a les, les bras amputés et il a euh, les pieds amputés également. Et sur son visage, il a des blessures. Qu'est-ce qu'il fait Alors, il prie sans purification et il n'a pas à répéter cette prière-là. Puis il cite le chapitre du Masah de euh, essuyer les bottines. Al-Khufayn. وصلى الله وسلم على رسول الله